Chers élèves, pour valider les connaissances théoriques acquises au cours de l'année, nous allons visiter le fameux musée du Louvre. C'est génial. Je suis très enthousiaste de le voir. Moi aussi. J'ai hâte d'y être. Bien. On se retrouve samedi matin, à 10h, à l'entrée de l'école. Le bus vous attendra jusqu'à 10h30. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Eh bien, à samedi. Au revoir, monsieur. Salut les enfants. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Salut papa. On vient de rentrer de l'école. On se repose un peu avant d'aller faire nos devoirs. Oh, c'est bien. Alors, j'ai une surprise pour vous. C'est vrai? C'est quoi? Je vous laisse deviner un peu. Nous allons au zoo? Non, pas du tout. Nous irons, ce dimanche, voir le match au stade. Non, non plus. C'est bon, papa, tu peux nous dire maintenant. On est incapable de deviner. Vous êtes sûr? Oui, papa. Tu sais que je n'aime pas le suspense. D'accord. Alors, ce week-end, on va faire du camping dans une très belle région. C'est super, je suis très content. C'est génial, mais malheureusement, je ne peux pas. Mais pourquoi? Ce samedi, notre professeur d'art et d'histoire va nous emmener au musée du Louvre. Le musée du Louvre? Génial. Ce n'est pas un problème. On va y aller le week-end prochain. Non, ce n'est pas juste. Moi, je serai au musée et vous serez à la maison. Vous pouvez y aller. Ce n'est pas grave. Non, ça ne sera pas amusant sans toi. Et puis, on ne va pas rester à la maison. C'est vrai? Où irons-nous? Lucas ira au musée du Louvre, nous aussi. Excellente idée. Les enfants, vous êtes tous là? Oui, monsieur. Bien, alors on commence. Soyez attentifs, vous pouvez noter si vous voulez. Après, vous allez écrire un rapport sur cette visite.
D'accord, monsieur. On commence par l'œuvre la plus célèbre au monde. Le portrait de Mona Lisa. Exactement. Mona Lisa, dit aussi la Joconde. Ce portrait a été réalisé par le peintre italien Léonard de Vinci. Et ce tableau? Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît ce tableau? Non, monsieur. C'est le plus grand tableau du musée. On l'appelle les noces de Cana. Regardez, là au milieu, il y a le Christ et Marie qui sont entourés par tous ces gens. Qui a peint ce gigantesque tableau? C'est Véronèse. A-t-il pris beaucoup de temps pour le peindre? Ce tableau a été peint entre 1562 à 1563. Donc, il lui a fallu un an pour créer ce magnifique tableau. Qu'en est-il de cette mère et sa fille? C'est le portrait de Élisabeth Vigée-Lebrun et sa fille. Élisabeth Vigée-Lebrun a créé son propre portrait accompagné de sa fille. Quel joli portrait! Absolument. J'espère que vous avez aimé cette visite. Oui, monsieur. Ça serait génial si on pouvait visiter d'autres musées et apprendre davantage sur l'histoire et l'art. Tout à fait, monsieur. Je vais voir avec madame la directrice si c'est possible. Bien. Maintenant, c'est l'heure de rentrer. On se voit lundi et n'oubliez pas vos rapports. D'accord. Merci, monsieur. De rien. Au revoir.